Et bonjour YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici, Kelbel et Jeanne. Oh, on l'a fait pour une fois que tu me coupes pas la parole, là c'était bien, tu vois. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de What in the Pants. Aujourd'hui, on ouvre la Woodbox du mois de juin 2018 qui a pour thème cartoon. La valeur totale de cette box est de 60 euros. Découvrons la Woodbox cartoon. Je tire à deux à l'heure. Wouh ! Je vous rappelle le principe. Dans cette box, il y a des objets qu'on ne connaît pas. Nous allons chacune à notre tour piocher dedans et nous allons deviner en même temps que vous et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. T'as le même tout le temps, le même nombre de fois qu'on dit à l'intérieur. Ouais, ouais. Je sais pas, c'est... J'ai pris mon rythme, tu sais. Et cette fois, nous allons voir Jeanne retourner la box. Et pour ça, les gars, restez jusqu'à la fin. Let's do this. Alors, le petit fascicule que nous découvrirons à la fin de la vidéo. Bon, d'accord, je prends ça. C'est un porte-clés, je pense. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est très bizarre. Ouais. C'est très, très bizarre. Je viens même pas savoir ce que c'est, en fait. Mais triche pas. Mais je triche pas, je... C'est la brochure, là. Je sais pas. Ouais, je crois que c'est un moule à glaçons. Oh, c'est le... C'est... Oui, je vois. Les gens dans Toy Story. Ouais, les petits aliens dans Toy Story. Bah oui, ça doit être pour faire des petits gâteaux ou un moule. Ouais. Ouais. C'est mignon. Voilà, le premier objet, ça rappelle des souvenirs d'enfance. Deuxième objet. J'hésite. Je vais prendre le gros truc de base, mais j'avais pas... Je prends ça, moi. Bon, bah c'est le t-shirt, non? Oui, tu vas l'aimer. Oh, c'est Rick et Morty. Mais t'inquiète, c'est trop bien. Ah. Ah ouais. Non, mais quand même, je sais où il est. Il est super bien. Oui, il est mignon. Attends, je vais faire un truc. Nice. J'aime. Voilà. Troisième objet. Bon, ben, je prends le gros truc. C'est une figurine pop. Sans deck. Pas figurine pop, mais figurine tout court. Ah, c'est encore une figurine. C'est le Joker. De Batman. En plus, c'est pas du tout écrit en gros, tu sais. Tout le monde sait qui c'est le Joker, là. On sait jamais. Bah, à l'intérieur de la boîte, il y a des. Rire de Jared Leto. Le mec, il s'est pas rire. Bah, là aussi, il y a des. Petite figurine bien sympathique. En plus, plein de bonne humeur en train de rigoler. Hein, des dents, avec des petits dentiers mécaniques. YouTube, vous l'aurez remarqué, nous avons eu un léger problème de son. Voilà, la pile nous a lâché et j'ai réussi à récupérer le début. Donc ce que vous avez entendu, c'est pas terrible, mais c'est écoutable. C'est correct. C'est correct, voilà, c'est un truc qu'on ne peut pas refaire les unboxings. Non. Mais la deuxième partie est vraiment, mais... inécoutable, impossible, malgré tous mes skills en montage et en écoute. Voilà, pendant que Jade essaye laboureusement. C'est pas terrible, hein? C'est pour ça qu'on vous l'a fait aujourd'hui. C'est la fin de l'unboxing. Et comme je suis quelqu'un qui ne jette absolument rien, je l'ai toujours. Et bien sûr, vous verrez Jade monter la boîte en temps voulu. Comme d'habitude. Voilà. J'ai pas tout jeté, certes, mais j'ai jeté le petit manuel. Donc dans la boîte, il n'y a plus rien. Si, j'ai remis les trucs. Alors, nous avons. Sérieux? Ouais. On la rejoue et après on fait. Oh, ben dis donc. Mais qu'est-ce? Je sais pas. Une serviette? Et attends. C'est la serviette Sauce Park, non? Je ne sais pas. Regardons. Donc une petite... Pourquoi tu te caches? Serviette Sauce Park, tu sais, la serviette qui est tout le temps un peu... Donc de type, elle fait des choses totalement illégales, les enfants ne le faites pas. Mais c'est sympa. Elle est en taille et elle en plus. Parce que c'est vraiment une serviette qui est défoncée, quoi. Donc c'est une serviette? Oui. Ah, d'accord.
Ça, c'est le personnage. D'accord. Littéralement, c'est une serviette qui est défoncée. Et enfin, le dernier objet, évidemment, je pense que vous savez ce que c'est, parce que comme tous les derniers objets, c'est... le pitch. Voilà. Il y a un petit temps, un petit délai, tu sais, entre Jade a longtemps, elle analyse, le pins, tu vois, moi j'ai déjà le temps de le piocher. C'est une Game Boy qui, je pense, est inspirée des vidéos Adventureland. Je vais vous la montrer d'un peu plus. Adventure Time, non ? Adventure Time. Voilà, le petit pins, vous ne l'avez jamais vu aussi bien. Donc alors, je vais essayer de vous résumer à peu près ce qu'on a. Et pendant ce temps, Jade, s'il te plaît, oui, fais-nous plaisir, retourne la boîte. Donc alors, au début de la vidéo, nous avons vu le magnifique t-shirt Rick et Morty. Nous avons eu une figurine Fig Q du Joker, qui est super bien faite, moi j'aime bien. Et puis c'est pas le Joker de Jared Leto, donc j'aime encore plus. Avec les petits danseurs mécaniques et les que vous avez entendu au début de la vidéo. Juste ici, moi, j'arrive pas à... Yes ! À enlever ça. Merci de rien. Et là, bah, évidemment, la serviette South Park. Donc c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir dans une good box, donc c'est plutôt cool. Et le pins. Donc dans cette box, il y avait un total de 60 euros de goodies avec pour thème cartoon. Et le mois de juillet, ça a pour thème space. Space. On a cru voir une image de Futurama. Et j'ai vu sur Instagram. Et moi, Twitter. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas, je vais vous mettre en bas les liens pour nous suivre. Comme d'habitude, il y aura évidemment tous les liens dans la description et le code promo, comme toujours, comme pour toutes les woodbox au final. Et Jade, tu as mis combien de temps à la monter, cette box ? Un peu plus de temps que pour la défaire, mais c'est parce que j'ai eu des soucis. J'ai encore des soucis. J'ai plus de soucis. Et vous devinez bien le thème, hein. Et en plus, ce qui est génial avec cette boîte, c'est que de chaque côté, ben, y a les détails. Là, t'as un côté, là, t'as le devant, là, t'as l'autre côté, là, t'as le derrière avec les détails. Tu as le toit, merci, toit. Et tu as même les détails en dessous. Et alors, du coup, c'est des trucs que j'avais pas remarqué au début. Ta grand-mère, l'escalope, qui a écrit sur la plaque d'immatriculation. Avec... C'est marrant. Oui, 12h10. Ah, c'est 12h10, j'allais dire 12h10. Je sais pas, escalope, pas 12h10, ça fait l'escalope à midi. Mais c'est génial. Bravo, Marcus. Donc voilà, c'était la fin de l'unboxing de la voûte box du mois de juin 2018. Je pourrais tellement être présentatrice. Ou faire hôtesse de l'air. Les sorties de secours se trouvent... Mais non, tu sais, j'ai peur de l'avion. C'est un petit frein, tu quand même. Pas réussir à rentrer dans un avion, c'est quand même. Tu sais, tu dois aider les gens pour qu'ils se sentent bien dans l'avion. Tu peux pas tous mourir. Ça, c'est moins notre test de l'air. Voilà. Donc, nous espérons que malgré les problèmes de son, cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a fait super plaisir de faire cet unboxing deux fois avec vous. Mais maintenant, Jade, qu'est-ce qu'il est temps pour nous de faire? De vous dire au revoir. Attends, mon âme. Tu sais que j'ai réfléchi pour, tu vois, pour faire une belle, un truc sympa de fin, tu vois, pour pas faire comme tout le monde. Et toi, tu fais pour vous dire au revoir. Il est temps pour nous de vous dire à ciao, bonsoir et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube.